Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Cité 13 pour ce premier numéro de Mémoire d'Histoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un écrivain, cinéaste et producteur français, Marcel Pagnol. Né dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban, couronné de chèvres au temps des derniers chevriers, le 28 février 1895, d'un père instituteur au nom de Joseph Pagnol et d'une mère couturière, Augustine Lançon. Marcel Pagnol est l'aîné de sa famille. Son frère Paul est né en 1898 et sa sœur Germaine en 1902. Pendant les vacances, son père loue avec son oncle Jules une villa dans la colline juste au bord d'un désert de garrigue qui va d'Aubagne à Aix, la fameuse Bastide-Neuve, au-delà du petit village de la Treille. Les collines qui l'entourent constitueront ce paradis de l'enfance heureuse où se déroulent les plus beaux épisodes des souvenirs d'enfance, en particulier aux côtés de Lily Desbelons, son amie d'enfance, qui l'initie notamment au piège à oiseaux dans le massif du Garlaban. Il se découvre très jeune une passion pour l'écriture dramatique et trouve le succès avec les deux premières pièces qu'il compose seul, Jazz en 1927 et surtout Topaz en 1928, qui est l'une des pièces les plus couramment reprises du répertoire contemporain. La suite de sa carrière devait se partager entre le théâtre et le cinéma, ce qui allait faire de lui le maître du théâtre filmé, grâce en particulier à sa célèbre trilogie marseillaise, Marius, Fanny et César, écrite pour la scène avant qu'il ne l'adapte au cinéma. Le succès est phénoménal et le cinéma parlant en pleine expansion que Marcel Pagnol décide alors de créer sa propre société de production et d'abandonner le théâtre. En 1941, il veut faire une cité du cinéma dans la région et achète le château de la Bizine situé dans le 11e arrondissement de Marseille. C'est en visitant ce domaine qu'il reconnaîtra le château de l'Effroi qu'il évoquera plus tard dans le deuxième tome de ses souvenirs d'enfance, Le château de ma mère. Un garde les ayant surpris et leur demandant de faire demi-tour, sa mère s'était évanouie lorsque la famille traversait clandestinement la propriété pour rejoindre la Bastide-Neuve. Il épousera en 1945 l'actrice Jacqueline Bouvier, rencontrée plus tôt en 1938. Pour elle, Marcel Pagnol écrit et réalise en 1952 le film Manon des Sources et tournera par la suite dans 6 films de son époque. Marcel dira d'elle qu'elle était son brin de poésie et de tendresse. Le talent de l'écrivain qui dépassait les frontières l'avait immortalisé dès son élection à l'Académie française le 4 avril 1946, devenant ainsi le premier cinéaste élu à 47 ans seulement. Jusqu'en 1954, il se consacre à ce nouveau moyen d'expression où il produit et réalise plus d'une vingtaine de films. Au 7e art, nous lui devons entre autres Merlus, Cigalon, La fille du puisatier, La belle meunière, Manon des sources, ainsi que plusieurs films inspirés de l'œuvre d'un autre provençal, Jean Giono, comme Angèle, La femme du boulanger et Regain. Il est servi par les plus grands interprètes de l'époque, comme Louis Jouvet, Rému, Pierre Freinet et Fernandel. Tout au long de sa vie, Marcel Pagnol a su faire, dans ses œuvres, vivre une Provence vivante, dépeignant entre rire et émotion, l'âme et les mœurs méridionales qui ont été adaptées dans le monde entier. En Égypte, en Chine et en Angleterre avec Topaz, au Japon avec deux adaptations de Marius et aux États-Unis avec Marius puis Fanny. Ses livres sont aujourd'hui traduits dans plus de 10 langues et les écoles étrangères font étudier le français sur les textes des souvenirs d'enfance et de la fameuse trilogie marseillaise. En 1955, il décide de mettre un terme à sa carrière cinématographique et s'éloigne peu à peu du cinéma et du théâtre. Il entreprend alors la rédaction de ses souvenirs d'enfance composés de 4 livres, La gloire de mon père, sorti en 1957, et la même année, Le château de ma mère. Suivront ensuite en 1960 Le temps des secrets et en 1977 Le temps des amours, qui fut publié à titre posthume. Romancier, cinéaste, historien, mais aussi directeur de studio, d'agence de distribution, producteur et directeur de presse, Marcel Pagnol était surtout un homme curieux à la manière d'un scientifique du siècle des Lumières. Atteint d'un cancer, il meurt le 18 avril 1974 à l'âge de 79 ans dans sa maison du Square de l'avenue Foch à Paris. Son corps repose aujourd'hui au cimetière marseillais de la Treille, auprès de sa mère, non loin du caveau de la famille Pagnol, où reposent son père et ses frères. Aujourd'hui, Nicolas Pagnol, le petit-fils de Marcel Pagnol et de Jacqueline Bouvier, a choisi de se consacrer entièrement à l'œuvre de son grand-père, dont il est aujourd'hui un spécialiste, avec le fonds de dotation Marcel Pagnol, qui a pour objectif la restauration des 24 films de son catalogue cinématographique, ainsi que l'entretien du fonds muséal, comprenant entre autres des caméras, des objectifs, des manuscrits et des œuvres d'art ayant appartenu à son grand-père Marcel Pagnol. Il ambitionne aussi de reconstruire les décors de ses films en décors naturels dans les collines d'Aubagne et de Marseille et de lancer la création d'un grand musée entièrement dédié à Marcel Pagnol pour que vivent à jamais Marcel Pagnol, Manon, Marius, Fanny, César et tous ces personnages
qui font aujourd'hui partie de la culture populaire française. Nicolas Pargnol sera le président d'honneur de la deuxième édition du Salon du Livre de Gémenos, qui se tiendra donc les samedis 20 et dimanche 21 mai prochain au cœur de la ville, dans des lieux emblématiques comme la Belle Cour des Granges où Marcel Pagnol a tourné des scènes de son film Regain et dans la grande salle municipale Jean Jaurès. Pas moins de 35 auteurs y prendront part et donnent rendez-vous à tous les amateurs de livres pour échanger et dialoguer aussi bien en café littéraire dans la salle municipale. Échange avec les écrivains qui se poursuivront ensuite au Salon du Livre pour des dédicaces personnalisées. Le Salon du Livre de Gémenos est un événement de l'association Unisson, dont j'ai l'honneur d'être le président, soutenu par la ville de Gémenos, avec une programmation de qualité exceptionnelle pour répondre à tous les goûts et qui s'adresse aussi bien aux adultes, aux jeunes qu'aux enfants. Tout ceci est possible grâce à Floris Grimaud, initiatrice du prix Marcel Pagnol et dont l'enfance a été bercée par l'œuvre de Marcel, qui était l'ami de son père, Lucien Grimaud. Je vous remercie d'avoir suivi ce premier numéro de Mémoire d'Histoire et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro sur Radio Cité 13.